Bonjour à tous. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire de présentation de l'exécutive master spécialisé management d'une unité stratégique. L'objectif de cette session est de vous faire découvrir les bénéfices de cette formation diplômante qui permet à nos participants de renforcer leur leadership et leur capacité entrepreneuriale. Cet événement, c'est aussi l'occasion de vous présenter en avant-première les nouvelles évolutions du programme. Alors, je suis Christine Collomb, conseillère formation pour ce programme. Pour animer cette présentation, nous avons avec nous Christopher Rogge, qui est professeur à HEC Paris et directeur académique du master, et Angela Braga, qui est notre programme manager. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous ce matin deux alumni du programme, Didier Lenormand et Marc Nourry, qui pourront témoigner de leur expérience à HEC. Donc voici pour les présentations. Commençons tout d'abord par un peu d'histoire. HEC est l'une des plus anciennes, fondée en 1881 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. HEC est l'une des plus anciennes écoles de commerce françaises et l'une des plus prestigieuses. La mission d'HEC Paris est double, former une diversité de profils à haut potentiel, rigoureusement sélectionnés, et participer activement à la production de nouveaux savoirs en management. Chaque année, le Financial Times publie un classement des meilleures institutions en management et HEC est parmi les leaders mondiaux de l'exécutive éducation. Depuis 9 ans, nous sommes classés parmi les 10 meilleures business schools en exécutive éducation dans le monde. Ce qui fait la renommée d'HEC, c'est aussi l'excellence de ses professeurs, forte d'une faculté de plus de 100 enseignants-chercheurs. La faculté mène des travaux de recherche internationalement reconnus dans toutes les grandes disciplines du management. Donc là, je vais vous montrer un focus sur les rankings de l'exécutive éducation via le Financial Times, Fortune Global et The Economist, et notamment sur le réseau de l'exécutive community qui comporte plus de 7000 membres et qui est classé comme le meilleur réseau d'alumni au monde par The Economist. Alors, l'exécutive Master Must, c'est aussi une équipe avec Christopher Rogge, donc directeur académique du programme Must Paris et Nouméa, Claudine Choqueteau, directeur pour les exécutives Master spécialisés et le certificat exécutif, et Angela Braga, qui est programme manager de ce master et qui accompagne les participants tout au long de leur cursus. Angela, si tu veux bien te présenter et peut-être nous dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc, Angela Braga, responsable de programme sur le master spécialisé management d'unités stratégiques. Donc, j'ai une double casquette, on va dire. J'accompagne Christopher dans tout ce qui est organisation pédagogique du programme. Et un rôle pour lequel je considère qu'il est aussi important, c'est l'accompagnement des participants du jour de leur arrivée jusqu'au jour de la cérémonie de diplomation, soit 1 an et demi après. À peu près après le démarrage de votre cursus. Donc, je m'emploie à ce que tout se passe au mieux pour vous tout au long de ces mois de formation et surtout quand vous êtes chez nous sur le campus d'HEC pour les modules en présentiel. Voilà. Merci, Angela. Alors, pourquoi faire un master spécialisé? Donc, c'est tout d'abord un diplôme en management accrédité par la conférence des grandes écoles à destination de cadres, dirigeants, responsables fonctionnels ou opérationnels, décidés à enrichir leur expertise et à renforcer leur expérience managériale. Chaque année, HEC forme plus de 8000 managers du monde entier. Alors, ce sont des formations adaptées aux contraintes professionnelles des participants au rythme d'à peu près 1 semaine par mois. Les participants peuvent tout à fait continuer à travailler tout au long du programme.
Le fait de faire un executive master à HEC n'est pas anodin. C'est une expérience unique, mûrement réfléchie à un moment de sa carrière. Les participants sont là pour prendre du recul, de la hauteur, accéder à de nouvelles fonctions, réfléchir à de nouveaux projets au sein de leur entreprise ou à titre personnel. Il y a aussi la thèse professionnelle, qui est vraiment un des points forts de la pédagogie. Les participants vont pouvoir, pouvoir travailler pendant plus d'un an sur une problématique de leur entreprise ou sur leur projet de création d'entreprise. Et ils seront suivis tout au long de leur parcours par un tuteur de thèse, professeur à HEC, qui les guidera jusqu'à la soutenance fin avril de l'année N plus 1. Et pour finir, être diplômé d'HEC, ben, ça veut dire accéder au réseau international des alumni qui compte plus de 50 000 diplômés dans le monde. Cela permet aussi de bénéficier de tous les services offerts par le réseau, tels que des conférences, des formations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous intégrez le master, vous pouvez accéder au réseau des alumni. Alors, quels sont les objectifs pour les participants? Bah, bien sûr, hein, monter en puissance pour accéder à de nouvelles fonctions managériales et booster votre carrière, valider vos acquis, appliquer sur le terrain et accéder à de nouvelles connaissances, de nouveaux outils à mettre en place dans vos unités, développer vos aptitudes de dirigeant par une approche transversale et généraliste de l'ensemble de votre business unit et améliorer votre leadership et vos capacités à agir sur vos réseaux de partenaires internes et externes. Donc voilà, j'en ai fini avec ma présentation des executive master en général et de l'executive master must en particulier. Maintenant, je laisse la parole à Christophe Rock qui va vous présenter le programme en détail. Bonjour, donc Christophe Rock, je suis directeur pédagogique. Donc le rôle du directeur pédagogique, hein, c'est de vérifier d'une part que les contenus pédagogiques soient bien conformes aux objectifs que Christine vient d'évoquer et surtout de la mission. Et puis, c'est aussi de l'entretien de démarrage pour le master jusqu'à la diplomation, de vous accompagner dans le voyage pédagogique qui est un master. Ce que je vous propose, c'est de voir un peu les missions pédagogiques. Et puis après, je vais laisser un peu la parole à Didier et Marc hein, pour qu'ils puissent vous donner des témoignages sur le programme hein, et de la façon dont ça se passe. N'hésitez pas aussi, pour l'ensemble des participants, à utiliser le chat hein, conversé pour dire qu'est-ce que vous recherchez dans ce programme hein, et qu'on puisse mieux répondre à vos questions. Hein. Donc, n'hésitez pas en tout cas à poster toutes les questions ou pourquoi vous voulez faire ce programme pour que dans notre présentation, on puisse l'orienter le mieux possible hein, par rapport à vos attentes lors de ce webinaire. Alors, c'est quoi notre mission pédagogique? D'abord, c'est vous accompagner dans un voyage pédagogique, c'est-à-dire qu'un master, alors évidemment, ça se consomme, mais ce n'est pas un acte de consommation, puisque le produit, c'est vous. Hein, c'est-à-dire qu'on est là pour vous aider à vous accompagner dans votre projet professionnel. Et donc, la pédagogie est vraiment là par rapport à ce projet. C'est un voyage qui prend à peu près un an et demi. Et donc là-dessus, on va être en permanence dans une idée d'accompagnement par rapport à votre projet, d'où le fait au démarrage de bien caler, de se mettre d'accord sur votre projet, hein, pour bien vérifier que la mission pédagogique est en accord avec votre projet personnel ou professionnel. Donc ça, c'est la base d'un master. Après, on va évidemment s'orienter, donc MUS, c'est Management Unité Stratégique, on va vous mettre dans les chaussures toujours d'un dirigeant, d'un business. Donc ça, c'est le parti pris pédagogique. Pendant tout le parcours, on va s'adresser à vous comme patron d'un business, hein, donc en charge de la stratégie, de la finance, du marketing, avec vos équipes, avec votre comité de direction, de la RH et en interaction avec, évidemment, vos clients, vos fournisseurs, l'environnement dans lequel on évolue, l'environnement naturel aussi dans lequel on évolue et bien entendu, vos actionnaires. Alors, la première chose pour cette mission, c'est de consolider vos aptitudes et votre leadership par une approche transversale et généraliste du management. Je reviendrai assez longuement là-dessus.
Mais comme on vous met à la place d'un patron, vous devez avoir une approche transverse. L'idée, ce n'est pas être multispécialiste, ce n'est pas être directeur financier, directeur commercial, DRH, directeur opérationnel, directeur supply chain, mais c'est d'être capable de mobiliser l'ensemble des savoirs de façon transverse pour diriger votre entreprise. C'est également la possibilité d'animer votre comité de direction et de bien comprendre comment le directeur financier, le directeur commercial, le directeur marketing va contribuer à la création de valeur pour vos salariés, pour vous-même et pour l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une partie, je reviendrai dessus, c'est vraiment la première partie du certificat 1 hein, qu'on va évoquer tout à l'heure. Deuxième chose, c'est améliorer la création de valeur dans votre unité stratégique. C'est quelles que soient les approches qu'on va avoir, on va toujours regarder comment on peut créer de la valeur. Alors encore une fois, hein, créer de la valeur pour vous, mais pas seulement évidemment, pour vos collaborateurs, pour vos clients, pour vos fournisseurs, pour les stakeholders et pour vos actionnaires. Et donc, quel que soit l'intervenant, quel que soit le professeur qui va intervenir, que ce soit en supply chain, en RH, en finance, il aura toujours comme principe de savoir comment on peut aider un dirigeant à créer de la valeur pour son environnement. Renforcer la faculté de travailler en équipe. Alors ça, vous l'avez, hein, puisque c'est quand même un élément de base pour réussir aujourd'hui dans l'entreprise. Mais vous verrez dans… là, je prendrai les témoignages de Marc et Didier. La base pédagogique d'HEC, que ce soit la grande école, MBA ou à l'exécutif, ce sont des études de cas et c'est du travail en équipe. Puisqu'une part de la richesse, évidemment, va venir du corps d'enseignants, que Christine a présenté, mais une part de la richesse va venir des autres participants qui viennent peut-être d'autres industries, avec d'autres expériences que vous. Alors, l'expérience, c'est quelque chose de primordial parce que ça nous aide à aller plus rapidement, ça nous aide à prendre des décisions en évitant à chaque fois de regarder l'ensemble des options, mais regarder les options qui, par expérience, semblent les plus pertinentes. Sauf qu'en fonction de notre secteur d'activité, en fonction de notre fonction dans l'entreprise, on n'a pas la même expérience. Et donc, dès qu'on va mettre des équipes ensemble qui viennent de secteurs différents, de la finance, de la distribution, certains vont être dans la gendarmerie, d'autres vont être dans la santé, des avocats. Voilà. Donc, on va avoir des gens de plusieurs origines qui vont, face à un cas, apporter des expériences diverses. Et ça, ça va améliorer encore notre capacité de travailler en équipe, qui est encore plus essentielle aujourd'hui qu'hier. Et puis, le dernier point de la mission, c'est développer votre comportement entrepreneurial, puisque vous êtes patron d'une unité. Donc, comment vous allez embarquer vos équipes dans votre entreprise et dans votre projet entrepreneurial, comment vous allez la partager avec vos actionnaires, comment vous allez partager avec vos partenaires financiers, vos banquiers, comment vous allez partager avec vos clients, vos fournisseurs. Donc ça, c'est de voir comment on peut accentuer cette part entrepreneuriale. Je vais peut-être, avant de détailler le programme, laisser Marc et Didier dire deux mots sur ces missions pédagogiques, puisqu'ils les ont subies, on va dire. Donc savoir si déjà ça a été à peu près rendu et comment ils ont perçu dans la réalité, ces missions pédagogiques. Oui, avec plaisir. Donc, je suis Marc Nourry, je suis diplômé du MUST depuis 2018 et je travaille chez Honda à Orléans. Alors, moi, je dirais que par rapport à tout ça, effectivement, moi, ce dont j'ai pris conscience, c'est que, en fait, comme vous aujourd'hui, quand je me suis renseigné sur le MUST, je n'étais pas là par hasard. Mais en même temps, j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi j'étais là. Et aujourd'hui, je dirais que probablement tous qui nous écoutaient aujourd'hui, vous avez quelque chose de peut-être un peu diffus, un problème à résoudre, qui est de l'ordre de votre évolution, de créer quelque chose, de switcher, probablement de voir les choses différemment, même si c'est pas, si c'est pas très clair. Et aujourd'hui, vous savez peut-être pas si vous avez envie d'entreprendre ou de rester dans la même boîte, mais d'approcher les choses différemment et d'évoluer ensuite. Donc, c'est pour ça que ces 5 points présentés là contribueront à solidifier cette incertitude ou ce projet. Et je dirais, dans mon cas personnel, c'était tout à fait le cas. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'apprendre, de m'améliorer sur le management global de l'entreprise, ayant un background plus ingénieur à la base, mais pas du tout business school. Et au final, tout ça, ça s'est agrégé, j'ai fait mon chemin, etc. Et je suis toujours dans la même boîte.
J'ai évolué et finalement, je suis très content comme ça. Voilà, même si au point de départ, ce n'est pas forcément ce que j'aurais imaginé. Donc, voilà, je dirais, vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez sûrement envie de vous avez besoin de quelque chose. Et le must vous aidera en toute certitude à avancer sur ce chemin. Je suis tout à fait d'accord avec toi, moi, Marc. C'est vraiment... j'aime bien ce terme, c'est un voyage. Donc, c'est un voyage pour chacun d'entre nous, entre les objectifs que l'on peut chacun avoir, les questionnements qu'on peut se poser. Il peut s'agir parfois d'un bilan à bi-parcours. Hein, on a une quarantaine d'années où on se pose des questions sur la continuité ou l'évolution de sa carrière. On veut prendre de la hauteur sur les problématiques posées dans l'entreprise, pouvoir mener des comités de direction en ayant un esprit plus à l'écoute d'autres problématiques que celles dont on peut être expert, donc une approche plus généraliste et mettre en forme parfois des discours qui peuvent, dans des réunions, être avec des attentes différentes suivant les participants. Donc, ça permet une approche vraiment globale et également un travail en équipe avec une découverte de camarades de promotion. On peut arriver avec nos certitudes, nos inquiétudes, comme tu disais, Marc, ou nos questionnements, aussi nos certitudes sur ce que l'on pense savoir ou une expertise que l'on peut avoir ou une approche de problématique. Tous les travaux en cas pratique, tout le partage avec les autres apprennent vraiment ce qu'est, je trouve, l'intelligence collective. Et de côtoyer des avocats, des ingénieurs, des gens de la santé, des médecins ou autres. On a des approches et une façon de résoudre les problématiques en partageant. Et ça aussi, ça donne beaucoup d'auteur sur les problématiques. Voilà, donc très, très ouais, beau voyage, beau voyage. Alors, avant juste de détailler le programme, j'ai deux questions auxquelles je peux répondre. J'ai une question de Bilal, qui est actuellement ingénieur d'affaires et qui souhaite évoluer vers un poste de manager, savoir si le programme lui convient. Alors, le programme peut convenir, sachant que dans l'approche manager, on ne va pas apprendre uniquement management d'équipe. Donc, l'objet, ce n'est pas forcément manager des équipes, de déterminer des KPIs, des écarts et d'aider nos collaborateurs à progresser. Évidemment, on va le faire, mais on va le faire sur le prisme de diriger un business. D'accord ? Donc, on va aborder forcément la partie stratégique, forcément la partie financière, la partie marketing, ce que tout manager ne va pas forcément avoir besoin de faire si vous êtes sur un management fonctionnel. D'accord ? Donc, si vous allez sur ce type de programme, c'est vraiment dans l'idée de diriger un business, quelle que soit la taille du business. On peut retrouver à l'intérieur des participants des gens qui sont à la tête de TPE, de PME, familiales, ou mandataires sociaux, comme on peut avoir des patrons de business unit, de grands groupes. Des gens peuvent gérer 3-4 personnes, comme des gens peuvent gérer 200-300 personnes. On peut trouver aussi des personnes qui sont directeurs financiers, directeurs opérationnels, et qui ont envie éventuellement de prendre une business unit, mais qui sont dans un comité de direction. Et donc, le fait d'approcher le MUS va leur permettre, dans un comité de direction, d'aborder non seulement la partie dont ils sont les experts, donc financière, commerciale, RH, mais de mieux comprendre l'ensemble, ce qui va aussi améliorer leur contribution dans le comité de direction. Donc, on va avoir plusieurs types d'approches, mais on est vraiment très orienté sur le business et également la responsabilité du dirigeant. Ce qui m'amène également à la question de José, c'est au-delà de l'ambition personnelle, nous souhaite développer quelles sont les qualités attendues pour devenir manager à unité stratégique. Voilà. Alors, ce qu'on va regarder, José, c'est surtout lors de l'entretien, en particulier pour le master, c'est le projet professionnel, c'est la réalité du projet professionnel et comment on peut vous accompagner par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment l'entretien initial pour voir la réalité, c'est-à-dire de bien vérifier que le contenu pédagogique qu'on va avoir lors de ce voyage, lors de ce master, et votre ambition matchent bien. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va essayer de regarder lors de l'entretien.
Après, ce sont des questions aussi qui vous sont propres. Il y a des choses que vous pensez au démarrage, et puis lors du parcours, certains vont changer. Alors, ils vont changer en fonction de ce qu'ils vont apprendre. Alors, bon, ces fameuses baselines d'HEC, apprendre à oser. Donc, certains vont prendre des trajectoires probablement un peu plus entrepreneuriales que ce qu'ils imaginaient avant, parce qu'ils vont prendre confiance en eux sur un certain nombre de choses. D'autres, au contraire, ça va vraiment les renforcer par rapport au projet initial qu'ils avaient. Ça, c'est un voyage d'un an et demi. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Mais pour répondre, José, à votre question, c'est vraiment le rôle de l'entretien initial sur le master de bien vérifier que votre projet professionnel est en ligne avec le contenu pédagogique, puisque in fine, ça doit être un succès pour vous et pour nous. Hein. Ça doit être un... Donc, c'est la particularité des programmes exécutifs. Lorsque vous êtes sur certains, vous avez peut-être des souvenirs des programmes, on dit undergraduate ou graduate, c'est lorsqu'on a 20 ans. Là, ce sont des programmes où on vous donne un bagage. Donc, j'enseigne également à la grande école, hein, donc je connais bien cette population. C'est une population sur laquelle on va donner un bagage et qui va commencer. Donc, on vous donne les éléments pour commencer votre vie professionnelle. Et puis après, on va aussi, ça va flaguer un peu en disant, bon, en fonction de l'école que vous avez fait, en fonction du bagage, ça va peut-être accélérer votre début de carrière. Là, vous avez des gens qui vont avoir des revenus, des positions dans les entreprises très diverses, ce qui n'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas combien vous gagnez et combien vous gagnez après le master. Le sujet, c'est en fonction de là où vous êtes, comment on va vous aider à progresser. Et donc ça, on doit bien vérifier qu'on peut vous aider à progresser par rapport au programme. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, n'hésitez pas à relancer hein, si la réponse vous semble pas totalement claire. Alors, je vais maintenant aborder le contenu pédagogique et puis sur chaque certificat, je vais redonner la parole à Marc et à Didier qui l'ont expérimenté récemment, donc ils sont mieux à même d'en parler que moi. Alors, premièrement, la structure. Vous avez ce qu'on appelle des masters et des certificats. Le master, c'est lorsque vous faites l'ensemble du programme, ce qui est constitué de 3 certificats de 3 modules. Donc, en totalité, vous avez 9 modules. Un module, c'est généralement 4 jours, du lundi au jeudi soir. Alors, il y a 2 modules qui sont une semaine complète et l'autre du lundi midi au vendredi midi. Mais globalement, retenez qu'un module, c'est environ 4 jours. Alors, c'est des jours pleins, denses. Hein. Donc, lorsque vous êtes avec nous, vous ne pilotez pas votre entreprise en même temps. Donc, la première chose pour suivre un programme, c'est qu'il faut être au clair d'une qualité majeure pour un dirigeant, c'est savoir déléguer. Hein, c'est... Si vous ne savez pas déléguer et que vous pensez pouvoir piloter votre entreprise et vos équipes pendant et dans l'amphi, je ne vous recommande pas de faire ce programme. Hein, puisque lorsque vous êtes là, il faut être pleinement. En plus, vous allez travailler en équipe, donc vos camarades seront eux également pleinement là. Hein, donc, toute personne qui est pleinement là, en fait, va avoir du mal à s'intégrer au groupe. Voilà. Donc, ça se passe normalement assez bien, hein, très rapidement. De toute façon, la densité des programmes fait que dès que vous êtes à HEC, vous êtes à HEC. Hein. Et certains, d'ailleurs, donnent comme feedback que ça permet de bien ancrer la capacité de déléguer et de faire confiance à ses collaborateurs, puisqu'on n'a pas d'autre choix. Donc, c'est 9 modules. C'est à peu près un par mois. Hein, donc, c'est de janvier à décembre. Orchestré en 3 certificats qui sont le premier, c'est vraiment ce qu'on appelle définir et mettre en place la stratégie de sa business unit. Donc là, on va être assez rationnel. On va être vraiment dans la définition de ce qu'on doit avoir dans un comité de direction et de ce qu'on doit maîtriser pour diriger une entreprise. Alors, certains ont peut-être des backgrounds plus littéraires, plus créatifs, et la finance va leur faire peut-être un peu peur. Oui, mais si je suis dirigeant, je dois comprendre la finance. Ce n'est pas forcément à moi d'établir les tableaux de bord, mais je ne peux pas diriger une entreprise sans déterminer quels sont mes moyens par rapport à ma stratégie. C'est impossible de déterminer une stratégie sans déterminer votre puissance financière. C'est impossible de calculer si ma stratégie est la bonne dans son exécution si je ne sais pas maîtriser mes seuls intermédiaires de gestion. Donc, on va, sur la finance, non pas vous rendre directeur financier, mais vous donner les bases pour piloter une entreprise. Idem, si je suis dirigeant, je ne peux pas ne pas faire attention à la top line, puisque c'est la top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que vous allez faire, qui va financer mes collaborateurs, qui va, in fine, me permettre d'avoir un profit. Alors, certes, si vous êtes dans une start-up, cette top line, ça peut être pour l'instant que des slides PowerPoint. Mais il va falloir quand même raconter les histoires aux investisseurs, comment demain, vous allez générer des revenus. D'accord ? Donc là, idem, vous n'êtes peut-être pas un spécialiste du marketing et du commerce, mais si vous êtes dirigeant, si vous devez rencontrer les clients principaux de votre entreprise, il va falloir négocier, il va falloir gérer le commercial, il va falloir gérer la proposition de valeur. D'accord ? La stratégie, c'est votre sort.
Lorsqu'on est dirigeant, on ne peut pas dire si on avait une meilleure stratégie, ce monde serait différent. Donc j'ai la responsabilité de la stratégie, j'ai la responsabilité non seulement de la définir, mais de la partager, d'écouter mes collaborateurs pour savoir comment allouer au mieux mes ressources. Si je suis dirigeant, j'ai forcément mes collaborateurs, comment je fais pour qu'ils se développent par rapport à ça. Donc c'est vraiment ça, le premier module, c'est le pilotage. Le deuxième module, il est dans l'exécution. Alors ça, à peu près toutes les études académiques sont assez homogènes là-dessus. Les trois quarts des échecs ne viennent pas de mauvaises définitions de stratégie, mais de mauvaise exécution. Donc le problème, c'est l'exécution de la stratégie. Donc là, on va commencer sur, une fois que j'ai ma stratégie, comment j'exécute. Donc évidemment, il faut que j'ai un contrôle de gestion. Mais idem, le contrôle de gestion, ce n'est pas pour savoir comment on met les tableaux de bord. C'est comment j'utilise les tableaux de bord. Comment, en fonction d'un écart sur un KPI, je remobilise mes équipes. Comment je gère ça. Donc on va être là sur une logique de la mise en place de la stratégie et on terminera par un serious game. Le dernier certificat, c'est plus sur vous en tant qu'entrepreneur et leader. C'est comment je suis entrepreneur, sachant que l'entrepreneur aujourd'hui a changé. On a beaucoup plus, dans les années 80-90, on faisait souvent l'éloge de l'entrepreneur individuel, qui avait une idée, qui avait un peu de guts et qui se lançait dans son aventure entrepreneuriale. Maintenant, lorsque vous regardez le monde des startups ou les nouveaux mondes de l'entrepreneuriat, on parle beaucoup plus d'équipe. On parle de diversité d'équipe, c'est-à-dire comment je vais m'insérer dans une équipe enrichie. Et donc, la plupart d'ailleurs des investisseurs aujourd'hui, la première chose qu'ils regardent, ce n'est pas simplement votre stratégie, ce n'est pas simplement le BP que vous allez, le business plan que vous allez proposer, mais c'est votre capacité de le réaliser. Et pour le capacité de la réaliser, ils vont regarder la solidité de l'équipe dirigeante. Donc, c'est vous, comment vous mettez en tant qu'entrepreneur. Comment vous êtes en termes de leader? Pourquoi les gens aiment travailler avec vous ou non? Est-ce que vous êtes inspirant ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt sur un profil managérial ou de leadership? Et puis enfin, dans ce dernier certificat, quelle vision vous avez? Avant d'entrer dans chaque certificat, je vais faire une petite diversion sur la partie bleue, qui est une option stage et IGN. Donc, je vais l'aborder tout de suite, après je reviendrai sur dessus. On a la chance d'avoir des accords avec la Gendarmerie nationale, puisque HEC est ancré dans son territoire. Donc, nous avons des accords avec le ministère de la Défense et avec la Gendarmerie nationale, ce qui fait que normalement, dans chaque promotion, on a souvent un officier de la Gendarmerie qui est avec nous, qui va vous donner d'ailleurs une perspective assez différente que ce que vous avez dans vos entreprises, donc la plupart du temps privées, mais ça peut être aussi des entreprises publiques. Et donc, on a la possibilité de faire des stages, un stage qui est optionnel, qui dépend de votre volonté, de 2 jours, 2 jours et demi, avec le GIGN, alors qui est un stage pédagogiquement que je trouve très fort parce que, je prends des exemples, souvent, on va vous parler de l'esprit d'équipe, de la solidarité, de l'entraide. Mais dans l'entreprise, on a tellement utilisé ces mots que tout d'un coup, ils se sont vidés de sens. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut travailler en équipe, évidemment qu'il faut être solidaire. Voilà. Bon, ça, c'est des mots. Déjà, dès qu'on est dans les émotions, c'est différent. Mais en plus, lorsque le corps est engagé et que vous voyez que la peur est engagée, que le stress est engagé et que vous voyez qu'une équipe vous permet d'aller au-delà de ce que vous imaginiez individuellement être capable de faire, tout d'un coup, ces mots se réancrent, reprennent du sens. Et je trouve que c'est pour cela une aventure pédagogique qui vaut vraiment le coup. Marc, Didier, je vais commencer peut-être par ça. Et puis après, on regardera la partie programme si vous voulez dire un petit retour sur votre expérience au GIGN, sachant que vous ne pouvez pas déflorer le contenu, comme vous savez, mais au moins donner comment l'expérience et qu'est-ce que vous avez retenu de ça. Effectivement, ce fut une expérience très intéressante, même si honnêtement, peut-être que j'y suis parti dans l'idée que, ma foi, ça allait être un peu physique, mais finalement, pas grand-chose. Mais je me suis quand même vu... Alors, sans tout dévoiler, l'idée, c'est qu'on nous fait faire des épreuves un peu comme peut-être on peut voir à la télé des fois, mais qu'au fil de certaines épreuves, j'ai pu percevoir finalement à quel point le mental l'emportait sur le physique, etc. Et où j'étais au bord du renoncement et finalement en puisant de l'énergie, soit au fond de moi-même, soit dans l'équipe, parce que finalement... quand on voit tous les autres qui arrivent, on se dit, bon, je ne vais peut-être pas rester sur le carreau quand même. Donc, normalement, peut-être que je renoncerai, mais là, je vais quand même y aller. Enfin bon, de fil en aiguille, finalement, tout s'est bien passé. Mais il y a vraiment, effectivement, ce basculement que l'on sent venir entre, finalement,
Une épreuve qui fait un peu peur parce que c'est pas commun, mais finalement, il n'y a rien de très compliqué. Et puis, OK, il y a un peu de physique, mais finalement, c'est pas très compliqué non plus. Donc, OK, j'y vais et on trouve à la fois de la force chez soi et chez les autres. Et effectivement, ça apporte vraiment de la pratique par rapport à de la pure théorie sur laquelle on sera tous d'accord au niveau des certificats et des modules. Voilà, donc c'est vrai que cette expérience GIGN, je dirais, sans rien dévoiler, faites-la, quoi. Voilà. Oui. Ce qui se passe au GIGN reste au GIGN. Les liens qui s'y créent ne peuvent pas être rompus. Et ce que l'on y vit est inoubliable. On y apprend que on a chacun sa limite. Et en effet, la mise... que ce soit le stress, la peur, enfin plein d'émotions, on peut avoir un masque, c'est d'actualité, remarquez avec le Covid, hein, on peut avoir un masque quelques heures, on ne peut pas avoir un masque au GIGN. Donc ça crée vraiment quelque chose et une réflexion sur soi et d'équipe qui prend tout son sens. Alors, je poursuis maintenant sur le programme. J'en profite pour répondre à une question également de José sur est-ce qu'on est sur du savoir, du savoir-être, du savoir-faire. Alors, on a eu la chance, d'ailleurs, dans le promo de Marc et Didier, d'avoir la personne qui s'occupe de la formation du GIGN, qui du coup a fait la formation pour HEC. Donc, on a pas mal partagé. Le GIGN est beaucoup sur de la sélection comportementale, c'est-à-dire sur du savoir-être et du savoir-faire, mais du savoir-faire pas individuel, du savoir-faire collectif. Et donc, ils ne sélectionnent pas, comme on pourrait le croire, uniquement sur la compétence physique. Évidemment, il faut en avoir une. Enfin, pour ceux qui font vraiment le GIGN, hein, pour le stage, en revanche, il y a besoin de... Moi, je l'ai fait à titre indicatif, et pourtant, je ne suis absolument pas sportif. Donc, voilà. Donc ça, ce n'est pas un élément de sélection. Par contre, le savoir-être, comment vous comportez, comment vous interagissez dans une équipe, est fondamental. Et c'est vrai que dans l'éducation, je dirais, initiale, on est beaucoup dans le savoir, et probablement pas toujours assez sur le savoir-être et savoir-faire. Donc, ce sont des choses qui sont importantes dans le cadre du stage du GIGN, mais dans le cadre de l'ensemble du programme. Alors, il y a quand même des certificats qui vont être un peu plus sur le savoir et d'autres un peu plus sur le savoir-être et savoir-faire. Le premier certificat, c'est probablement celui qui est le plus cartésien, je dirais, le plus rationnel, c'est-à-dire c'est celui sur lequel vous allez avoir le plus d'outils qu'on va pouvoir utiliser. Mais à chaque fois, ces outils vont être mis en perspective. En perspective par rapport, encore une fois, à mon rôle de dirigeant. Alors, c'est un certificat moi, que j'invite à faire pour tous ceux qui veulent diriger une entreprise, mais encore aussi pour tous ceux qui n'ont pas pour ambition forcément de diriger une entreprise, mais d'être un membre d'un comité de direction. Parce qu'on s'aperçoit que, encore une fois, si vous êtes directeur commercial, DRH, c'est essentiel de comprendre comment on crée de la valeur au sein d'une entreprise et de ne pas rester siloté. Il existait des entreprises très verticalisées où chacun était expert dans son domaine. On s'aperçoit pour créer de la valeur qu'on a besoin évidemment d'avoir des approches transverses. Alors, évidemment, il y a toute l'approche des entreprises agiles. Mais l'idée, ce n'est pas optimiser chaque part d'un silo. L'idée, c'est de mettre en commun au niveau de l'équipe de direction, mais pas seulement, parce qu'après, cette capacité de mettre en commun au niveau du comité de direction va probablement permettre de dupliquer ça au niveau de l'ensemble de l'entreprise pour avoir des équipes qui soient le plus transversales et les plus agiles et innovatives possibles. Et pour faire ça, il faut comprendre l'autre. Et comprendre l'autre, ce n'est pas simplement l'empathie, c'est aussi faire l'effort d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y a dans un compte d'exploitation, qu'est-ce qu'il y a dans un bilan, qu'est-ce qu'il y a dans une stratégie marketing, qu'est-ce que c'est que la supply chain. Et donc ça demande de la connaissance et du savoir. Hein, ce n'est pas simplement de la posture. On n'est pas dans un monde totalement de bisounours, on est dans un monde d'efficacité. Vous verrez dans HEC, hein, c'est une particularité de l'ADN d'HEC, c'est qu'on est à la fois, évidemment, on a un focus très fort sur les résultats hein, et sur la performance. Ça, vous l'attendez. Mais on a également un focus très fort sur le savoir-être et sur les valeurs. Hein. Bah, pourquoi ? Parce que pour être efficace et puis pour réussir sa vie, ce n'est pas simplement que de la performance et des KPIs. Ce n'est pas comme ça que vous entraînerez les hommes. Ce n'est pas comme ça que vous allez entraîner les communautés dans lesquelles vous êtes. Et ce n'est pas comme ça forcément que vous serez satisfait de la vie que vous allez mener. Donc, on a ces deux aspects qui sont à chaque fois les aspects de performance et les aspects de valeur.
Et ça, vous l'aurez même sur ce premier certificat, hein, sur le savoir-être. La plupart du temps, je laisserai d'ailleurs Marc et Didier en parler, vous êtes un peu étonnés, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, de cette facette, puisque vous voyez souvent HEC comme uniquement une logique plutôt de performance avec un capitalisme libéral, avec certaines caricatures, ce qui n'est absolument pas le cas. Bah, pour une raison simple, c'est que cette caricature ne fonctionne pas pour être un chef d'entreprise efficace et entraînant et inspirant. Donc, sur ces certificats, vous avez trois modules. Vous avez les deux premiers modules, c'est marketing, finance, stratégie. Donc, stratégie en majeur, parce que c'est vraiment le rôle du dirigeant. Finance, parce qu'encore une fois, aucune stratégie n'est possible sans compréhension des enjeux financiers d'une entreprise, pour ses résultats et pour l'allocation de ses moyens. Et marketing, parce qu'une entreprise ne peut pas exister si vous ne créez pas de la valeur auprès de vos clients. Donc, comment vous créez de la valeur auprès de ces gens particuliers, que ce soit en B2B ou en B2C, que sont les clients. Donc là, on va parler d'analyse dans un monde qui change très vite. Donc, comment on comprend cette analyse, comment on met en place des nouvelles stratégies. On aura évidemment les éléments stratégiques classiques qu'on peut avoir, mais on commencera également à s'ouvrir sur toutes les stratégies qu'on va retrouver dans le monde de l'entrepreneuriat et dans ce qu'on a appelé il y a longtemps la nouvelle économie. Pourquoi il y a longtemps? Puisque des gens vont arriver avec d'autres modèles stratégiques et vont être votre compétiteur, non seulement parce qu'ils sont plus innovants, mais aussi souvent parce qu'ils sont capables de lever plus d'argent que vous. Donc, ils sont plus puissants que vous. Donc, il faut comprendre pourquoi. Et donc, ça, on va l'aborder dès le démarrage. Évidemment, on le rabordera après, plus tard. Le troisième module, on sera plus sur la mobilisation interne et externe. Mobilisation externe, on va l'aborder sur deux prismes. Le principal, ce sera la supply chain, donc c'est les entreprises en réseau, parce qu'on n'est pas seul. C'est comment on mobilise ces réseaux-là. Pour quelle proposition de valeur? Est-ce qu'on met du stock chez soi? Est-ce qu'on fait du make or buy? Quelle est la proposition de valeur qu'on a? Est-ce qu'on délivre dès le lendemain matin? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation de sa supply chain? Est-ce qu'au contraire, on va acheter moins cher, on fait des larges stocks, ça coûte, ça immobilise la trésorerie? Voilà. Donc là, c'est tous les aspects qui sont comment on interagit dans son réseau, en amont et en aval, pour être créateur de valeur. On regardera aussi un petit peu la négociation, c'est-à-dire comment on partage et on crée de la valeur par l'interaction avec nos partenaires. Et puis, évidemment, on terminera par un élément majeur, c'est comment on mobilise ses ressources internes, donc ses collaborateurs et l'humain. Là aussi, la moyenne d'âge, c'est 40 ans. On est dans un monde, donc là, on vient de sortir du dernier module qui était enjeux et perspectives. Donc, il y avait un témoignage d'une personne, d'un des patrons de la transformation Bruno, qui était assez clair, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où à l'époque, lorsqu'on était patron, on était passé par l'ensemble des échelons de l'entreprise, donc on avait une expertise. Donc, lorsque vous avez un collaborateur qui vient vers vous, normalement, on a le savoir, on est capable de l'aider. Bon, bah maintenant, lorsqu'on est patron, on a souvent des technos ou des approches auxquelles on est complètement dépassé parce que nos collaborateurs sont bien meilleurs que nous. Voilà, donc il faut être modeste par rapport à ça. Si vous commencez à faire croire à vos collaborateurs que vous êtes meilleurs qu'eux, parce que vous êtes le patron, vous allez les réfréner et donc vous n'allez pas être capable de créer de la valeur. D'accord ? Donc, comment par rapport à ça, vous devenez animateur et vous êtes capable par contre de les faire travailler ensemble pour créer de la valeur dans des équipes qui soient transverses. Ça, c'est vraiment l'objectif de ce premier certificat. Encore une fois, qui s'adresse aux personnes qui veulent être dirigeantes d'un business, mais que je conseille également pour toute personne qui veut avoir une direction fonctionnelle au sein d'une entreprise, quelle que soit sa taille. Marc, Didier, vous pouvez en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je dirais ce certificat, effectivement, il s'appelle général et c'est très bien nommé dans le sens où on se concentre sur l'aspect perspective de l'entreprise, stratégie, démarche stratégique aussi, des notions de finance. Et effectivement, pour mobiliser les équipes, moi, c'est mon expérience, c'est que très souvent, il faut être capable de répondre pourquoi on fait ça, comment on va le faire, quelle est l'orientation. Et souvent, il faut reconnaître qu'on n'est pas capable d'y répondre. Donc, dans les entreprises très silotées, etc., le financier, il a sa propre approche, le producteur, ceci, le commercial, et ça manque un peu de consistance. Et là, ce certificat met l'accent là-dessus. Que vous soyez patron d'une PME ou d'un petit département dans une grosse boîte ou d'une business unit ou d'une grosse boîte, c'est vrai qu'il est fondamental de se recentrer, non justement, mais de rester focus sur le fait qu'à tout moment, on doit être capable d'expliquer où on amène l'entreprise, où on amène son département, pourquoi.
Et c'est à partir de là qu'on mobilise facilement les équipes et qu'on en maîtrise les tenants et les aboutissants. Donc, de ce point de vue-là, moi qui en plus venais plutôt du monde ingénieur, tout ce qui est stratégie, finance, je n'étais pas tellement rodé sur le sujet. Mais ça donne vraiment des bases et des perspectives pour aborder un business avec un raisonnement qui fait sens et qui permettra d'être expliqué et d'emmener les gens. Voilà, de ce point de vue-là, c'est comme ça que je l'ai vécu. Oui, je l'ai partagé, de vécu de la même façon. Vraiment un enseignement là. Tout à l'heure, j'ai vu dans la conversation le savoir-faire, savoir-être. Là, pour ma part, j'ai trouvé de grandes choses sur le savoir, une profondeur. Sur les cours qui sont dispensés et des intervenants vraiment d'un niveau, des échanges sur les thèmes très très intéressants et là encore par rapport à ce que l'on a pu apprendre dans nos cursus respectifs, on se rend compte que vraiment les choses, même si on se le dit comme ça avec des mots, mais à vivre, se rendre compte à quel point ce que l'on apprend par le biais de ce certificat met à jour un certain nombre de connaissances, l'enrichit. Il y a vraiment une profondeur qualitative sur tous les modules, que ce soit sur les cours de stratégie, enfin vraiment qui sont extraordinaires, ou marketing ou autre. Enfin, une transversalité après qui permet un peu sur ce puzzle d'assembler un peu les morceaux pour être manager d'ensemble. Alors, il y a aussi un point Didier Modeste là-dessus, mais de transversalité. Marc, c'est-à-dire que vous avez des approches diverses. Par exemple, Didier avait un background financier. Marc n'avait pas de background financier. Dès que vous avez une équipe, vous allez vous apporter les uns aux autres. De la même façon, quelqu'un qui a un background stratégique va aborder, quelqu'un qui a un background marketing. Donc, les équipes vont s'aborder en fonction de leur expérience. Donc, vous êtes sur des participants qui ont des origines, encore une fois, différentes, à la fois dans les secteurs. Il y a des secteurs qui sont plutôt intensifs en capital. Donc là, l'important, c'est de prendre des bonnes décisions parce que le coût de fausse main-d'œuvre est important. Donc, c'est des gens qui sont souvent dans des entreprises très analytiques. D'autres qui sont des entreprises très opérationnelles. Au contraire, il faut prendre des décisions très rapides. Et donc, si on est lent à prendre une décision parce qu'il faut analyser avant, du coup, dès qu'on prend la décision, c'est trop tard. Les conséquences négatives ont déjà été en place. Donc, vous allez avoir des personnes, des camarades, des équipes qui vont avoir des approches différentes. Mais encore une fois, vous allez vous aider. Hein, et souvent, des promotions, en particulier, je sais qu'il y en a un certain nombre qui ont un peu peur sur la partie financière, ils vont retrouver des soutiens. De personnes qui ont plus de background financier qui vont les aider. Par contre, ces mêmes personnes vont pouvoir avoir plus de faiblesses sur d'autres choses et vont être aidées. Hein, donc, ça crée également une émulation et ça crée une certaine humilité face au savoir qui est la seule bonne attitude face au savoir. Hein, c'est d'ailleurs plus on sait, enfin, cette fameuse approche, mais ça, on est persuadé, je sais, plus vous savez, vous ne savez pas. Hein, ça, c'est un élément assez classique. Donc, le savoir amène l'appétit de connaissance. Et la plupart du temps, d'ailleurs, la réaction des participants, dès qu'ils ont un cours, c'est de dire, on aimerait aller plus loin. Après, c'est à vous d'aller creuser, d'aller chercher, en fonction aussi de votre projet professionnel, parce que vous n'allez pas vouloir aller plus loin, chacun, dans les mêmes domaines. Alors, pour répondre à deux questions que j'ai vues sur… trois questions maintenant. Madji, sur un aspect… sur Abidjan, puisque c'est un programme qui fonctionne bien au sein d'HEC, donc il est dupliqué sur Paris, sur Abidjan, également sur Nouméa, et il est amené d'ailleurs également sur Doha, en anglais. C'est les mêmes professeurs. Il n'y a pas d'éléments, c'est le même contenu pédagogique. Alors, la différence avec Didier Marx, c'est qu'à l'époque, Abidjan faisait qu'une partie du programme et une partie revenait sur Paris, ce qui était bien aussi parce qu'il y avait un enrichissement mutuel fort. Là maintenant, on est à 8 sur 9 modules ont été délocalisés sur Abidjan. Et c'est exactement le même corps professoral et la même exigence académique. D'ailleurs, je dirige académiquement les deux programmes. Et donc, je vois le staffing, c'est exactement la même exigence académique sur l'un et sur l'autre. Serge, Philippe, sur... vous voulez monter une structure en asset management. Ce que, pour tous ceux qui ont des projets,
en fait. Ce que va vous donner ce programme, c'est vraiment vous mettre dans les capacités de patron. Et donc, ça va vous permettre, en tant qu'entrepreneur, de vous donner tous les éléments, que ce soit financier, market, défendre un pitch, business canvas, stratégie, selon que vous êtes sur des business models plus ou moins innovants, puisque ça va changer un peu les choses. Tout ça, ça va vous aider. Par contre, ce que ça ne va pas vous donner, si je suis en asset management, et ça, vous devez l'avoir par ailleurs, c'est qu'on ne va pas travailler l'expertise de l'asset management. Ce n'est pas l'objet, c'est-à-dire qu'on ne va pas être multispécialiste, on ne va pas à chaque fois déterminer en tant que spécialiste si votre proposition de valeur est vraiment nouvelle ou pas. On va vous donner les outils pour le faire. Après, ce sera à vous de vous confronter à des experts. La plupart du temps, vous l'avez parce que c'est dans un domaine sur lequel vous avez déjà réussi, sur lequel vous avez déjà une expertise. Encore. Mais encore une fois, dès qu'il y a des questions, je parle en particulier sur le master, puisque c'est un engagement un peu plus long, on a un entretien au préalable pour bien vérifier ces points. C'est pour bien vérifier. Et s'il s'avère dans l'entretien, par exemple, qu'une personne a plutôt une envie de continuer sur des directions fonctionnelles, comme financier ou pas, ben, il y a des possibilités après de regarder des programmes également qui sont excellents, qui sont animés par d'autres directeurs académiques qui sont tout excellents que moi, sur la finance et le BPM. Ça me permet une bonne transition parce que justement, un directeur académique, un confrère qui est Alexandre Lamy, est celui qui va animer le premier module du certificat 2 qui est piloter la performance. Hein, piloter la performance. Là, on a déjà mis sa stratégie et on va être dans l'exécution. Et donc, on va travailler sur tous les outils d'abord. Alors, on a des outils qui s'appellent OVAR, Balance Scorecard, tout ça, vous découvrez, hein, qui permettent des outils. Alors, c'est plus des outils de management de contrôle de gestion. C'est des outils in fine qui ont été imaginés par des contrôleurs de gestion, mais qui ont été imaginés par des contrôleurs de gestion pour des dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire comment, en fonction des écarts, je mobilise mes équipes. Donc, c'est une semaine, ce premier module, qui est assez tendue, assez dense. Hein, c'est pour ça qu'on ne la met pas immédiatement, parce qu'on fait vous travailler par groupe et on va créer des tensions un peu sur le temps. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est dans l'opérationnel, dès qu'on est dans l'exécution, souvent, on a moins de temps, hein, parce qu'il y a des urgences qui arrivent, il y a des écarts qui n'étaient pas prévus. Alors évidemment, en 2020, ces écarts-là sont encore plus importants que ce qu'on avait tous imaginé, mais c'est de savoir comment on réagit par rapport à ça. Et donc là, on est vraiment sur l'exécution de la stratégie. Le deuxième module, je vais revenir dessus. Alors, ce sont ce qu'on appelle un module d'électif d'approfondissement. Vous avez une stratégie personnelle pour votre entreprise. Quels sont les domaines d'expertise que vous voulez approfondir pour que votre stratégie soit un succès? Est-ce que c'est une stratégie digitale? Est-ce que vous devez approfondir tout ce qui est digital? Est-ce que vous devez approfondir tout ce qui est éthique, tout ce qui est innovation collaborative, intelligence collective, tout ce qui est change management parce que vous êtes en train de transformer votre boîte, tout ce qui est big data, analyse de données, intelligence artificielle parce que vous êtes en train de reconstruire votre modèle économique sur la tech et sur l'intelligence artificielle, l'exploitation des data. Est-ce que, en revanche, vous êtes dans une boîte où l'important, c'est d'attirer des talents? Alors, comment on manage les talents? Parce qu'évidemment, non seulement il faut faire venir des talents, mais il ne faut pas les tuer une fois qu'ils sont arrivés en disant « bon, toi, tu es un talent, mais tu vas suivre le process et tu suis uniquement que le process ». À ce moment-là, ce n'est pas forcément ce type de talent que vous devez faire venir chez vous. Donc, on va chercher à chaque fois des domaines qui ont de l'importance pour vous, pour le succès de votre stratégie. Et puis, le dernier module, qui est un module qui sera en juillet, pour Didier et Marc, qui étaient un peu plus loin dans le cursus à l'époque, c'est un module où on va travailler sur le business model, une nouvelle fois, pour bien comprendre le business model et combien on le pitch par rapport à l'extérieur. Et puis après, on va faire ce qu'on appelle un serious game. Donc, c'est un module où pendant 3 jours, vous allez piloter une business unit en concurrence avec d'autres business units pilotées par vos camarades. Donc, vous avez plusieurs enjeux. Vous avez comment vous allez prendre des décisions à l'intérieur de la business unit. En 3 jours, vous allez faire à peu près 7 ans. Hein, donc, c'est assez dense. Là aussi, c'est une semaine sur un rythme élevé. Donc, comment vous allez partager la décision à l'intérieur. Donc, ça vous fait un mini comité de direction. Vous n'allez pas pouvoir tous être leader. Voilà, il va falloir se mettre d'accord sur la stratégie et l'exécution. Hein, donc, comme vous avez 3 ans, il faut une stratégie. Et puis après, chaque année, bah, finalement, la stratégie, est-ce qu'elle a réussi ou pas? Et puis, il y a également tout ce qui est théorie des jeux, c'est-à-dire que vos autres camarades ont aussi leur stratégie. Donc, vous n'êtes pas tout puissant à la tête de votre entreprise. Il va falloir prendre en compte les stratégies de vos concurrents, hein, qui évoluent aussi très vite. Et voilà. Donc, ça, c'est un élément, ce qu'on appelle le serious game,
qui est assez dense hein, en interactivité entre vous. Marc, Didier, je ne sais pas si vous voulez parler d'un des modules, que ce soit le module d'Alexandre sur le pilotage, les électifs ou le business game. Hein. Bah, écoute, moi je parlerai un peu de l'ensemble en rebondissant sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la stratégie c'est une chose et il y a plein de belles stratégies qui sont élaborées, l'exécution en est une autre et c'est souvent là que ça pêche. Et effectivement, moi c'est là où j'ai trouvé des outils ou des perspectives sur justement à la fois la nécessité et la difficulté d'exécuter proprement. C'est-à-dire que quand on a établi sa stratégie, il faut derrière être capable de tenir et d'être stable sur moyen terme, long terme, ça dépend. Alors que, comme peut-être chacun peut le vivre au quotidien, dans les entreprises, la tendance est souvent, dès les premiers résultats, si ça ne convient pas, pof, on change et on met à la poubelle la stratégie qu'on avait mis des mois à établir. Donc, il y a des notions dans ces modules et certificats qui sont très importantes dans ce sens-là et qui sont très, enfin, moi, qui m'ont servi personnellement, comme le Balance Scorecard, qui permet à la fois d'expliciter, de communiquer sur la stratégie et d'être le nœud central pour ne pas dévier par la suite trop facilement. Ensuite, il y a on aborde la performance opérationnelle, quels sont les drivers, les KPI pour ne pas non plus se noyer dans une multiplicité d'indicateurs qui ne servent à rien, mais se recentrer sur l'essentiel. Et puis on termine par le business game finalement qui est une compilation très forte de toutes ces notions. Et moi j'ai apprécié notamment le fait que le business game s'étale sur plusieurs jours. Donc on est en équipe séparée qui représente chacun finalement une entreprise, un concurrent. Et pendant plusieurs jours, on joue les uns contre les autres grâce à une intelligence artificielle sur un temps qui est à la fois court mais long, c'est-à-dire que sur, je me souviens plus exactement, mais sur 3 jours, on doit faire une dizaine d'exercices fiscaux, quelque chose comme ça. Il faut analyser le marché, choisir le segment auquel on va s'attaquer, étudier les concurrents, travailler ses parts de marché, réagir, éventuellement changer. On investit, on a du résultat ou pas, on réajuste. Enfin bref, c'est la vraie vie, mais ça reste un jeu. Et au final, c'est vraiment, je dirais, au niveau du module 6, la pratique réel des 5 modules précédents, la stratégie, l'application, et à la fin, on voit qui a compris, qui n'a pas compris. Donc, voilà, cette approche, ce certificat sur l'exécution de la stratégie est vraiment, vraiment fondamental et ce serait dommage de faire le premier sans faire celui-là, quoi. Oui. Là, je suis en train je repense au module 4 sur piloter la performance. Alors, en effet, on n'est pas forcément tous plus ou moins à l'aise lorsqu'on parle bilan, chiffres, lecture de le contrôle de gestion, l'analyse des coûts et ainsi de suite. C'est pas l'objet. L'objet, c'est toujours de se situer avec la hauteur. Du patron, enfin de celui qui devra prendre les décisions et devra arriver à avoir une lecture, piloter sa BU. Donc, c'est très bien présenté, très bien approché. Il y a vraiment une solidarité entre les participants, puisqu'il ne s'agit pas dans ce module non plus que d'avoir une approche financière. Il y a toujours l'approche globale hein, en arrière-plan, toujours l'aspect stratégie et pilotage BU. Donc, très, très intéressant. On partage tous et on s'enrichit et on s'apprend mutuellement des choses. C'est un module, je me rappelle avoir passé quelques soirées à plusieurs dans des salles disponibles du campus. Pas dans la douleur, toujours c'est plutôt comme tu le disais, Christopher, on en veut plus, donc on passe du temps. Les approfondissements, c'est plus
à la carte de ce que, suivant ce qui est proposé, on fait des choix d'approfondir tel ou tel sujet sur des choses soit qui nous sont très proches, ou au contraire, on peut aller chercher, je pensais au digital, au big data ou autres, qui sont pour certains très proches de leur activité, pour d'autres plus lointaines. Ça permet vraiment d'approfondir des sujets. Et le business game, oui, c'est un jeu. C'est vrai qu'on s'amuse, mais c'est aussi beaucoup de temps passé, beaucoup de stress, parce qu'il faut vraiment avoir une approche. Bon, moi, dans ma vie passée, il y a de nombreuses années, les business games existaient déjà, mais loin d'être une intelligence artificielle poussée comme aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur des exercices, comme disait Marc, des exercices comptables, vraiment avec une vie d'entreprise et tellement de paramètres, il ne faut pas essayer de biaiser le système ou d'essayer de comprendre comment pourrait fonctionner l'outil, mais vraiment le vivre en stratégie avec une équipe. On est en comité de direction, il faut prendre des décisions en mettant en application tout ce qu'on a appris dans les modules passés. Donc c'est loin d'être un jeu évident, c'est vraiment très très enrichissant. Voilà. Merci. Alors ça, c'est la carte. Alors les cartes des électifs changent chaque année. Il y a des choses qui restent, comme la conduite du changement, qui est un peu un élément qui est assez stable. Et puis après, il y a des choses en fonction des demandes, des promotions et des évolutions managériales sur lesquelles on va… par exemple, on a mis la supply chain en environnement multicanal ou multicanal, ou comment réenchanter l'expérience client offline à l'ère du digital. Ça, c'est les nouveaux électifs qui ont été créés en fonction de la demande d'un certain nombre de participants et en fonction des enjeux face à laquelle vous êtes dans votre entreprise. Juste un point pour répondre à Alexis avant d'apprendre le dernier certificat. Est-ce que ça vous permet d'entrer dans un comité de direction, prendre une direction fonctionnelle? Alors, la particularité du MUST, c'est vraiment orienté d'être dirigeant d'une entreprise. Encore une fois, quelle que soit la taille. Donc, lorsqu'on va regarder, par exemple, la stratégie, on va regarder la business stratégie. On va moins regarder ce qui est corporate strategy. Corporate strategy, c'est où est-ce que vous allouez lorsque vous êtes la holding, est-ce que vous investissez dans tel business ou tel autre business. On va la regarder uniquement parce que ça va permettre de comprendre la stratégie de votre actionnaire. Mais nous, on va plutôt être au niveau du business. Donc, on est plutôt dans une approche très business entreprise et un peu moins siège holding. Voilà. Ça dépend un peu d'après de où est-ce, comment vous voulez évoluer. Est-ce que vous voulez, dans votre carrière, dans votre banque ou autre, plutôt rentrer et prendre une business? Alors, j'ai une façon un peu caricaturale de le dire. C'est plutôt pour former des barons que des marquis. Un baron, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui gère un territoire et qui est accountable pour ce territoire. Et le marquis, c'est plutôt celui qui est à la cour de Versailles et qui va, en fonction de ça, les deux sont très importants, mais ce n'est pas exactement le même critère. Là, on est vraiment très orienté business. Donc, pour des gens qui veulent créer leur entreprise, c'est très bien. Pour des gens qui ont des business ou qui vont racheter une entreprise, c'est également très bien. En revanche, si c'est pour évoluer au niveau du siège de l'entreprise, voilà, c'est pas forcément, il y a le MBA, il y a d'autres programmes au sein de HEC qui permettent également de le faire. Oui, je suis désolé, Périne, on est un peu en gestion de temps un peu en retard. Donc, je vais terminer sur le dernier certificat qui est entrepreneuriat et leadership. Donc là, pour reprendre la question sur le savoir-être et le savoir-faire, là, on est vraiment sur vous, beaucoup plus que sur les méthodes. Autant on était assez cartésien parce que, encore une fois, ce que dit Didier est juste, on n'est pas uniquement sur les chiffres, mais on est quand même très fact-based. C'est-à-dire que lorsqu'on est dirigeant, on ne peut pas nier la réalité. Donc, la réalité est là. Donc, on l'apprend et en fonction de ces réalités, on va mobiliser ses équipes. Donc, il faut quand même avoir les outils et la rationalité et le savoir. Ça ne s'improvise pas. Donc, il y a quand même du travail. Et là aussi, de façon générale, si vous suivez ce type de programme, préparez-vous non seulement, évidemment, à avoir énormément de curiosité, des cours passionnants, mais il va falloir aussi bosser pour qu'il y ait une appropriation à chaque fois par rapport à votre projet. Donc, on est très insistant sur la partie appropriation que vous allez faire à travers ce cursus. Encore une fois, ça ne se consomme pas, une formation, ça se vit et c'est vous qui êtes le réceptacle de cette formation. Voilà. Donc, ça demande pas mal de travail. Bon,
Là, le travail qu'on va faire, il va être plus sur vous, à la fois en tant qu'entrepreneur, sur votre vision et comment vous êtes en termes de leader. Donc là, il y a trois modules. Le premier, c'est un module qu'on a appelé au début les nouvelles donnes de l'entrepreneuriat. C'est développer l'esprit entrepreneurial au sein de son entreprise. Alors, on est parti méthodologiquement plutôt du monde des startups, plutôt du monde du capital risque au démarrage, plutôt du monde de business canvas, business model generation, Odyssey 314, plein de termes que vous verrez, l'océan bleu. Donc, tous les éléments qui sont plutôt création et innovation. Pourquoi? Parce qu'il y a un constat qui date de l'océan bleu, qui a maintenant 20 ans, puisque l'océan bleu, ça date de 2001, qui est que dans le capitalisme moderne, on crée plus de profits en ouvrant des nouveaux marchés qu'en optimisant des marchés existants. Et donc, ça, c'est un constat. Et donc, les capitalistes ont tendance à déverser plus de capitaux aujourd'hui sur ceux qui inventent l'avenir par rapport à ceux qui exploitent le présent. Et donc, du coup, il faut comprendre que ce n'est pas le même modèle. Est-ce qu'on explore pour défricher des nouveaux marchés ou est-ce qu'on exploite des marchés existants? Si on prend l'aspect géographique, est-ce qu'on est autant des explorateurs qui est de découvrir des nouvelles terres ou est-ce qu'on est autant des exploitants qui, une fois la terre bien découverte et bien délimitée, on va essayer de en optimiser son rendement? Voilà. Donc là, on va plutôt être sur l'exploration. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on a une innovation qui est beaucoup plus forte aujourd'hui et on a aussi des capitaux beaucoup plus importants qui sont déversés là-dessus. Donc, même si je suis dans une entreprise traditionnelle, le problème que je vais avoir, c'est que tout d'un coup, je vais voir débarquer dans mon marché des gens qui viennent du monde de l'innovation, non seulement plus innovants que moi, mais souvent plus riches et ont plus de puissance que moi. Et moi, je vais avoir du mal, je vais dire à mon actionnaire, j'ai besoin d'argent pour innover, il va dire, toi, contente-toi d'exploiter, je vais donner de l'argent à celui qui sait explorer et pas à celui qui sait exploiter. Voilà. Donc ça, c'est de comprendre ça, comprendre leurs outils, comprendre les mécanismes, comprendre pourquoi ces entreprises au début ne gagnent pas d'argent et pourquoi, in fine, elles peuvent en gagner beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est vraiment… Et du coup, ça va vous enrichir sur la façon dont vous allez présenter vos business models demain. Pour tous ceux qui ont des idées entrepreneuriales, c'est une semaine qui est capitale. Hein, parce que c'est vraiment une semaine qui permet de comprendre l'entrepreneuriat d'une façon différente et puis voir toute l'évolution qu'il y a eu sur le management de l'entrepreneuriat depuis les 20-30 dernières années, qui est énorme comme évolution. La majeure entrepreneuriat HEC dans les années 90 et aujourd'hui, elle a complètement changé. Le module 6, c'est vous. Et là, on va commencer à traiter non seulement le rationnel, mais on va traiter vous physiquement, parce que de temps en temps, c'est fatigant d'être dirigeant. Alors déjà, comment on prend soin de soi? Comment on fait pour ne pas être crevé? Comment on fait pour ne pas passer en burn-out? Comment on fait pour tenir ses journées? Comment on fait pour dire non lorsqu'il faut dire non? Comment on se respecte soi-même? Donc, il y a leadership en soi. C'est-à-dire, et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce qu'on est content de faire ça? Est-ce qu'on est content? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens que l'on a? Mais le sens que l'on a, évidemment, il est par rapport à nous, mais il est aussi par rapport à nos équipes. C'est quel sens on donne à nos équipes par rapport à ça. Donc, c'est le leadership en soi et le leadership en interaction par rapport aux autres. Et là, pour certains d'entre vous, ça va vous amener à poser un certain nombre de questions. Surtout pour ceux qui, à un moment, ont travaillé beaucoup dans des entreprises, je dirais, très structurées, où on vous dit clairement quels sont vos objectifs, quels sont les KPI à atteindre. Et donc, du coup, il y a un moment, vous le faites parce que vous avez un désir et une volonté de performance qui vous honore, mais il y a un moment, vous dites, mais pourquoi je fais ça? Et donc, ce module doit reposer cette question. Pourquoi c'est important? Parce que dès que vous allez être patron, il va falloir résoudre cette question, encore une fois, pour que les gens aient envie de travailler avec vous. Si vous êtes uniquement dans la performance et vous êtes totalement mécaniste, bah vous n'aurez que des gens qui aiment le mécanisme. Mais vous n'aurez pas d'aspect affectif, il n'y aura pas des gens qui auront envie de travailler avec vous. Donc là, on va travailler sur cet objet. C'est le seul module qui est en résidentiel, parce que là, du coup, on vous prend le lundi et on vous libère le vendredi. Et on va travailler, et vous allez travailler entre vous sur cette question de sens, du leadership et comment vous vous positionnez par rapport à ça. Et enfin, le dernier module, qui est le module enjeux et perspectives. Alors là, l'intérêt de ce module, on va essayer dans la mesure du possible de susciter le maximum de curiosité chez vous. On est dans un monde où on a de plus en plus de volatilité, le fameux VUCA, volatilité, complexité, agilité. Bon, on est dans un monde qui bouge, on a vécu aujourd'hui en 2020 probablement encore plus durement que n'importe quelle année. Mais on est aussi dans un monde où, encore une fois, les capitaux et la puissance est à donner à ceux qui savent imaginer un avenir. Donc, c'est comment concilier cet aspect d'agilité, d'incertain, qui fait que la planification bureaucratique qu'on avait à l'époque ne fonctionne plus,
Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut être que agile et être totalement prisonnier du court terme. Au contraire, il va falloir être capable de déterminer des visions de long terme pour que les personnes vous suivent, pour engager vos équipes et puis engager également vos actionnaires. Et puis peut-être aussi vos fournisseurs et vos clients. D'accord ? Donc, c'est cette capacité de se projeter et de créer des visions. Et donc, pour ça, il faut être curieux, il faut comprendre la géopolitique, il faut comprendre les évolutions, la montée de la Chine, qu'est-ce que veut dire le développement durable, l'innovation, l'entreprise de demain, qu'est-ce que l'éthique aujourd'hui, quelle est la différence entre un manager et un leader. Donc, ce sont une semaine très riche, peut-être un peu plus conceptuelle et intellectuelle, qui vous demande plus de réfléchir de comment projeter votre entreprise dans l'avenir, parce que c'est une nécessité financière et managériale. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif de ce dernier module. Je ne sais pas, Didier et Marc, si vous voulez parler d'un de ces trois modules ou de l'ensemble. Je vais tenter peut-être deux sur trois. je dirais, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce module-là, c'est, alors au niveau de l'entrepreneuriat, très personnellement, je m'ai eu l'envie de monter ma boîte. Je suis plutôt un intrapreneur, on va dire, et ça me va bien. Mais là, j'ai compris pourquoi. Et donc, moi, effectivement, je conseille ça à ceux qui ont un projet entrepreneurial parce que au départ, on découpe bien les bonnes motivations pour entreprendre et les mauvaises motivations pour entreprendre. Effectivement, il ne faut pas se tromper là-dessus. Alors, très typiquement, je veux dire, si on veut monter sa boîte uniquement parce qu'on ne supporte pas l'autorité d'un potentiel chef, c'est une mauvaise voie, il faut creuser plus loin que ça. Donc là-dessus, ça apporte de nombreuses clés. Et moi, j'ai pu voir par la suite, parce qu'on a travaillé en groupe, justement, sur les cas de ceux qui voulaient monter leur boîte. Et moi, j'ai trouvé intéressant, enfin, j'ai noté que j'étais capable de leur apporter des conseils ou une analyse qu'ils appréciaient. Donc, ça m'a donné dans l'idée que oui, je suis pas entrepreneur et ça me va bien, mais je suis peut-être conseiller. Donc, ça m'a ouvert des perspectives par rapport à ça. Après, au niveau du leadership, très intéressant aussi, c'est une semaine très, très passionnante. Alors, ce qui se passe au château reste au château, pour paraphraser Didier. Mais on est vraiment confronté à nous-mêmes. Donc là, on est vraiment sur la question du savoir-être par rapport à la question de tout à l'heure. Et notamment quand vous avez un camarade, parce que moi, ça m'est arrivé, qui au bout d'un soir, après avoir bu un petit peu, vous dit « je me rends compte que je suis peut-être un gros con avec mes équipes ». On se dit « waouh, lui là, il a perçu quelque chose et il est en train de se remettre en question ». Et effectivement, ça peut servir au moins à ça, à vous donner une idée sur est-ce que vous êtes un bon leader, un bon manager ou pas, sachant qu'il n'y a pas de bonne réponse. L'idée, c'est d'avoir un point de départ et de cheminer vers quelque chose. Et voilà, très riche en émotions, très riche en introspection, et vraiment, comme on le dit souvent, probablement un des meilleurs modules du programme. Mais voilà, c'est vraiment globalement ce certificat-là, il se positionne vraiment par rapport à nos ambitions et qui on est, et ça permet vraiment d'avancer. Alors là, Marc, ça ne va pas m'aider parce que j'avais préparé des mots et tu les as utilisés avant. Donc là, il ne me reste plus grand-chose en magasin. Non, 200% d'accord avec toi. Entrepreneuriat, pareil. Moi, je ne suis pas quelqu'un à créer une entreprise. Par contre, je suis confronté à des gens, puisqu'on a un incubateur de start-up et on doit faire des choix avec justement en accompagnant des créateurs d'entreprises. Et ça permet de les comprendre. Donc là, moi, je suis plutôt sur le fonctionnel qui doit prendre de la hauteur et comprendre. Et ça aide vraiment à... pas avoir l'esprit, mais à comprendre et à se tourner vers l'autre et à avoir des réflexes pour l'aider dans la réflexion. Donc ça, je trouve ça très bien. À l'heure actuelle, les différences entre une start-up et un patron d'une filiale qui doit ou d'un périmètre qui doit gérer des gens à distance ou autre. Bon, bref, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est,
C'est voilà toute sa complexité, la complexité du monde actuel. Et leadership, oui, c'est ça. L'introspection, ça, c'est vraiment, on se regarde et on se regarde avec sincérité. On peut pas se mentir à soi et parfois on se ment à soi. Donc, on s'engage dans une voie professionnelle ou on est dans une entreprise ou dans un chemin et c'est bien de temps en temps de se poser, de se dire quel est mon objectif ou quelle est la finalité de ce que je vais aller chercher ? Pourquoi je fais tout ça ? Et très, très intéressant. Et enfin, les enjeux et perspectives, l'ouverture, toujours l'ouverture, finir par demain et laisser en suspens un peu comme un ouvrage de philosophie, mais côté professionnel, laisser sur les perspectives avec des questions et les trois petits points de. Je trouve ça aussi très, très riche. Voilà. Donc ça, c'est voilà le programme. Hein. Donc c'est le menu du voyage. Alors dans le voyage, il y a un cheminement qui est de temps en temps douloureux, de temps en temps très plaisant, la plupart du temps les deux, qui s'appelle la thèse professionnelle. Alors attendez, juste avant de parler de ça, ça c'est le revenir sur le timing. Donc ça se fait en 16 mois. Les 9 modules, c'est de janvier à décembre, 4 jours par mois, sauf le module entrepreneuriat qui est de 5 jours et le module leadership qui est de lundi à vendredi et en résidentiel. Donc, c'est à peu près 350 heures de cours. Les cours, les semaines types, vous commencez 8h30 à 12h30, 13h30 à 17h30, sont à chaque fois les semaines qui sont bien pleines. Hein, donc, vous finissez la semaine fatigué d'habitude. Et le soir, on a un soutien méthodologique, je vais revenir dessus, qui est sur la thèse professionnelle. Et puis après, on a des conférences et on termine toujours chaque semaine sur les takeaways de la semaine et également sur un débriefing, à la fois pour cristalliser les takeaways pour vous en tant que promotion et puis également pour nous de savoir comment on peut améliorer les choses puisqu'on va avoir notre propre approche d'amélioration continue. Parce que même si tout le monde est très satisfait, il y a toujours des choses qui sont à améliorer et à remettre en cause de notre côté. Alors, l'endroit qui est un voyage très important, ce qui est la thèse professionnelle. Alors, la thèse professionnelle, c'est un objet dont vous allez être très fier à la fin, mais qui va vous demander pas mal de temps et de travail. C'est un objet qui, à mon avis, moi, je le valorise à minima au coût total de la pédagogie. C'est-à-dire, si vous aviez un consultant qui devrait faire ce travail, ça vaut au minimum les 45 000 euros d'une formation. Et la plupart du temps, ça vaut plus parce que vous allez faire un travail sur un domaine que vous connaissez et sur lequel vous avez une réelle expertise. Alors, c'est quoi une thèse professionnelle ? C'est deux choses, c'est thèse et professionnelle. Thèse, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous allez répondre à une problématique sur laquelle vous allez découvrir qu'il y a plein de gens avant vous qui ont réfléchi sur des problématiques similaires. Et ça, c'est la recherche académique ou d'expertise, c'est-à-dire que vous allez relier votre projet à un thème et vous allez lire tout ce que les gens qui ont abordé ce thème ont à dire. Et c'est extrêmement riche. Alors, de temps en temps, c'est démoralisant. On se dit, tellement de gens ont dit tellement de choses, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de neuf après tout ce qui a déjà été dit ? Mais ça va énormément vous enrichir. Et puis, en fonction de ça, vous allez mettre le côté professionnel. Le côté professionnel, c'est votre projet à vous. Et donc là, il est singulier. On n'est pas dans une thèse académique. Donc, l'objet, ce n'est pas que vous mettiez une théorie nouvelle par rapport à des théories existantes, mais c'est que toutes ces théories, toutes ces approches, toute cette recherche, tous ces documents qui existent, comment vous les allez les utiliser par rapport à votre projet professionnel. Voilà. Donc, c'est les deux piliers d'une thèse professionnelle. On passe normalement, on va dire, le premier certificat, c'est le temps pour maturer le sujet. Alors, c'est important hein, de maturer le sujet. Donc, on vous aide au minimum un soir par module à travailler sur le sujet. Et puis, on va dire en mai-juin, on va arrêter un sujet. Dès qu'on arrête un sujet, on va vous nommer un tuteur qui est du corps académique d'HEC, donc soit professeur, soit intervenant et conférencier à HEC. Et il va vous aider pendant la totalité de votre thèse qui sera soutenue, et puis, enfin, qui sera d'abord déposée et puis après soutenue. Didier. Et on va changer d'ordre pour que, pour une fois, Didier ne dise pas qu'on lui ait pris toutes les idées avant. Didier, si tu veux commencer, puis Marc après. La thèse, c'est un sujet.
Je ris parce que j'ai eu la chance de faire une thèse professionnelle et de la mener à terme en étant accompagné par un tuteur présent. On n'est pas seul. Alors, en effet, c'est un travail individuel, mais je vois choix du sujet, implication du supérieur hiérarchique. Ça demande du travail. Il faut pas se mentir. C'est du travail. C'est sur un sujet. Le bon côté, c'est généralement, c'est un sujet que l'on connaît puisqu'il touche à notre milieu professionnel. La difficulté, c'est que c'est aussi un sujet que l'on connaît et que l'on pourrait avoir la facilité de vouloir répondre à cette problématique de manière synthétique. Et là, au contraire, il s'agit d'approcher la problématique avec, toujours pareil, de la hauteur, faire de la recherche et creuser, aller plus loin. Et tout cela en étant accompagné et challengé par sa hiérarchie, par aussi ses collègues. On peut partager avec les collègues. Hein. C'est intéressant également d'emmener du monde pour la rédaction de sa thèse. Ses camarades aussi, on peut solliciter. Et le tuteur qui nous aide, nous donne le timing. Il faut s'y prendre suffisamment tôt. Ça ne peut pas être fait dans l'urgence. C'est un travail qui se fait au fur et à mesure que le voyage s'opère à HEC. Marc. Oui, alors effectivement, donc moi la thèse, je l'ai vécue, on va dire, j'ai travaillé pour mon entreprise, donc c'était une disposition particulière, je n'avais pas de projet entrepreneurial. Donc au départ, effectivement, ça met un peu de temps à se lancer, etc. Et puis il y a un moment où ça bascule, ça s'accélère, on rentre plein dedans et puis ça se déroule bien. Moi, ce que j'ai travaillé sur la stratégie de mon entreprise, donc l'intérêt ou le prétexte, finalement, c'est que ça m'a fait faire quelque chose que normalement l'entreprise aurait dû faire toute seule sans que je fasse le master must. Mais c'est un des avantages. Et donc, dans la méthodologie où effectivement je suis parti des cours de recherche académique, etc., moi, ça m'a ouvert des champs aussi. C'est que, évidemment, j'ai travaillé avec mon directeur général, mais à un moment, je me suis retrouvé un peu bloqué et j'ai été obligé, mais tant mieux, de faire travailler des collègues de travail à l'entreprise. Et ce qui fait qu'en fait, c'est devenu assez facilement un sujet fédérateur dans l'entreprise. Et bon, au final, ça s'est bien terminé. Et puis aujourd'hui encore, ma thèse circule un peu de bureau en bureau parce que parfois, on me pose des questions ou les gens veulent avoir des perspectives. Je dis plutôt que je ne vais pas te raconter l'histoire, tu n'as qu'à lire ça. Et puis là, je suis dans la phase où 2 ans, 3 ans après, il faut que je la fasse évoluer parce que la donne a changé et que finalement, la méthode reste la même, mais il faut que ça évolue. Donc, je suis un peu dans cette phase-là. Pour dire que au-delà de l'exercice académique et du diplôme, derrière, il y a une vie. Il peut y avoir une vie pour la thèse, et c'est quand même très très intéressant aussi. Alors, merci hein, des deux témoignages. Donc, un master comme un certificat, ce sont un cursus qui peut déboucher sur un diplôme. Alors pour le master, c'est un diplôme, hein, donc une sortie. Vous rentrez dans la communauté des alumni des anciens d'HEC. Et un certificat, ce que vous faites un certificat, c'est capitalisable. C'est capitalisable, c'est-à-dire que si je fais un certificat, si vous prenez juste 3 modules, vous pouvez très bien l'année suivante compléter pour aller sur un diplôme. Et donc pour que ce soit capitalisable, il faut évidemment que ce soit également noté. Hein, ça veut dire que ça peut être une brique que vous puissiez utiliser pour un diplôme. Par rapport à ça, j'ai eu une question là sur l'ICCF ou les stratégies, donc ça vous regarderez avec Christine et puis avec HEC. Il y a effectivement ce qu'on appelle long life learning, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites un certificat, vous capitalisez comme une UV à l'université, vous avez la capacité après de le transformer en diplôme. Donc, c'est ce qui fait que chaque module est noté, que vous soyez en certificat ou en master. Donc c'est noté sur l'assiduité, sur les travails d'équipe. Donc, du fait, il y a toujours rapidement une idée de performance dans les équipes. Donc, ça, c'est un élément important. Ça arrive très, très rarement. Vous verrez que très rapidement, tout le monde rentre dans le jeu et s'implique très fortement. Lorsque Didier disait, on travaille le soir, ça veut dire que
même avant de temps en temps des modules, des équipes vont se réunir, se préparer. Voilà. Et donc, comme dans toute expérience collective, il y a très peu de tirage au flanc ou de free riding sur des personnes. Si quelqu'un n'a pas travaillé sur le cas, évidemment, ça pose un problème par rapport aux autres. Hein. Donc, il y a un effet d'entraînement qui est de motivation positive qui a lieu. Il y a de temps en temps des devoirs personnels sur des modules. Ça peut être aussi sur des projets entrepreneuriaux. Et puis, pour une part importante, donc il y a 75 hein, qu'on n'a pas unité de compte, 45 c'est du cours et 30 c'est la thèse professionnelle. Voilà. Les critères d'admission, je vais peut-être donner la main à Christine hein, sur oui. Comment on peut être okay. Admis au master ou être candidaté au certificat. Tout à fait. Donc, pour le master, donc il y a des prérequis. Effectivement, il faut avoir un statut de cadre de plus de 3 ans et avoir un diplôme de niveau Bac plus 4. Pour le certificat, on regarde plutôt surtout l'expérience professionnelle. Donc, voilà, vous pouvez aussi postuler au certificat. Pour le master, si vous n'avez pas tous les prérequis, si vous n'avez pas un Bac plus 4, bien sûr, nous, ce que nous regardons, c'est votre profil. Ce qui nous intéresse le plus, c'est votre profil. Donc, nous pouvons faire une dérogation. Donc, tout ça, de toute façon, moi, je reviendrai vers vous si vous le désirez pour vous expliquer tout ça de façon plus précise. Voilà. Alors, le processus de candidature. Donc, pour candidater, donc vous avez tout d'abord un entretien préliminaire avec un conseiller formation, donc ce sera avec moi. L'objectif de cet entretien, c'est de voir si votre profil correspond bien au profil des autres participants. Suite à cet entretien, donc si vraiment, bah c'est le, si on a bien… si c'est bien la formation qu'il vous faut, je vous ouvre un dossier de candidature en ligne que vous allez remplir en ligne. Et quand votre dossier sera rempli à 100%, il sera transmis au directeur académique du programme qui va décider si vous êtes admissible ou non. Si c'est pour un certificat, le processus de candidature s'arrête là. Une fois que votre dossier est à 100%, le directeur académique, c'est-à-dire Christophe Rock, décide si oui ou non vous allez pouvoir intégrer la prochaine session. Pour le master, il y a une couche supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a un comité de sélection. Le comité de sélection, c'est 3 personnes, le directeur académique du programme, un alumni et la programme manager. Pendant cet entretien, on vous remet une étude de cas sur laquelle vous travaillez pendant 1 heure, on vous pose des questions, puis on passe à votre parcours, au dossier de candidature que vous avez rempli, votre parcours, vos projets, puis le jury délibère et quelques jours après, on vous dit si oui ou non vous allez pouvoir intégrer le master. Donc voilà pour le processus de candidature. Sachez qu'en ce moment, nous sommes en plein recrutement, donc nous recevons beaucoup de dossiers de candidature. Donc c'est vraiment le moment et nous organisons beaucoup de comités de sélection. Donc voilà, donc vous pouvez. Donc de toute façon, moi ce que je vais faire à la suite de ce webinaire, je vais tous vous envoyer un mail avec une invitation sur mon agenda pour que vous puissiez choisir un créneau pour qu'on puisse discuter de votre projet de formation et voilà, donc pour que vous pour vous renseigner sur ce processus de candidature. Donc je reviens vers vous dès lundi pour vous donner plus d'explications aussi sur le programme si vous le désirez et pour vous expliquer le processus de candidature. Voilà, donc vous avez mes coordonnées. Si d'ici là vous souhaitez me joindre, de toute façon, je suis à votre disposition. Voilà. Voilà, si vous avez la moindre question, hein, évidemment, par chat ou question, hein, on est. Ok, peut-être un petit mot de conclusion, Marc et Didier, puis on va s'arrêter. Didier, je t'en prie. Euh,
Vraiment un très beau voyage, évidemment, une école prestigieuse avec des valeurs, un panel d'enseignants et d'enseignants, d'intervenants, sans nul doute de qualité, mais vraiment de grande qualité. Des rencontres, on vient avec des certitudes, on repart avec des doutes. Peut-être un peu plus de certitude quand même sur des choses que l'on connaît, mais plus de doutes sur ce que l'on est, sur l'humilité, sur l'entente, le respect des autres, les problématiques, l'écoute, l'approche des autres, de la hauteur de vue, c'est certain, sur ce master. Et vraiment une expérience à vivre. Et si vous vous engagés dans ce voyage, faites-le, jetez-vous à fond dans l'aventure. Oui, je suis d'accord. Ben, je rebondirai là-dessus. Moi, ce que j'allais dire, c'est que effectivement, ceux qui envisagent l'ensemble comme une possibilité, mais qui pourraient se dire, je vais le faire progressivement, je vais le découper, etc. Moi, je vous conseillerais à ce moment-là d'essayer de tout faire d'un bloc, parce que nous, on a pu voir à notre époque des frustrations pour ceux qui avaient décidé de morceler et puis qui quittaient le voyage en cours de route pour y revenir plus tard. Bon, c'est compliqué. Donc voilà, si ça vous intéresse, lancez-vous totalement. Je dirais de mon expérience personnelle, parce que là, on ne l'aborde pas précisément, mais n'ayez pas peur du financement, parce que HEC peut vous aider là-dessus, et puis il existe tout un tas d'organismes, etc. Donc 43 800 euros, ça peut faire peur, mais ne vous arrêtez pas à ça. Et quand bien même ça vaudrait un effort personnel, franchement, après coup, il n'y a pas photo, faut vraiment y aller, enfin, étudiez-le sous tous les angles, mais c'est vraiment, vous en ressortirez transformé. Voilà. N'hésitez pas. Ok, merci beaucoup Didier et Marc du témoignage. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu la présentation. Par rapport aux questions, encore une fois, Christine est à votre disposition pour partager, hein, et on ferait toujours ça avec beaucoup de bienveillance. Et puis après, de toute façon, l'entretien qui est évoqué, c'est bien pour répondre à ces questions-là, hein, c'est bien vérifier que votre projet professionnel et qui vous êtes est aligné avec le programme. Et donc là, à chaque fois, c'est fait avec exigence mais bienveillance, c'est-à-dire c'est et si on sent qu'il y a non-alignement, c'est-à-dire que c'est trop tôt ou que ça répond pas réellement à vos ambitions, on est très transparent par rapport à ça. Ben, écoutez, merci de votre écoute. Passez un très bon week-end, hein, pour voilà, c'est encore une après-midi, mais après un très bon week-end à tous. Merci Merci. beaucoup. Au Au revoir. revoir tout le monde. Merci, Et au puis, revoir. je reviens vers vous. À très bientôt. Au revoir.